Salut à tous. Donc là, on a un bon petit coup de chaleur aujourd'hui. Donc les mini plus s'activent super bien, hein, vous voyez. Ça y va. Pareil pour les ruches. Regardez. Voyez, c'est super là. Hein. Je vais faire un petit tour un peu plus loin. Hop, vous avez celle-là aussi. Ça travaille très bien aussi. Ça travaille bien, hein, dès qu'il y a du soleil. Bien, ça fait plaisir de voir ça. Puis on a de la floraison, donc elles sont toutes dans l'arbre. En ce moment, on a pas mal de petites fleurs qui sortent, hein, les cerisiers à fleurs qui sont pas mal en fleurs. On a les lauriers teints qui sont en fleurs. Donc pour ceux qui s'inquiètent un peu de la température, je sais pas si ça va faire la pointe. Ah si, vous voyez, c'est quasiment 18, hein. Donc il n'y a pas à s'inquiéter pour la température. Donc les nuits sont encore un peu fraîches, mais en tous les cas, ça s'active bien. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais j'ai fabriqué aussi une petite cabane. Parce que j'avais là-bas là, ma caisse en plastique pour mettre mes affaires, mais c'était pas terrible. Donc, je me suis fabriqué une cabane en bois. Vous faire visiter vite fait. Hein. Hop. Ouais, donc il y a déjà du matériel. Vous avez quelques mini plus, là des ruchettes prêtes pour la saison. Et quelques hausses ici. Je suis encore en train d'aménager, hein, donc là, je me suis fait une petite tablette pour pouvoir m'appuyer, écrire si j'ai besoin. De ce côté-là, vous avez des rangements pour les cadres. Hein, j'ai quelques cadres déjà de ciré. Puis ici, des étagères. On voit encore la visseuse, les vis. Hein, je suis en train de, comme je vous dis, d'aménager. Donc voilà. Donc voilà pour les nouvelles. Donc voilà, aujourd'hui on est le 8 mars. Il fait vraiment beau. Je vais même me tourner parce qu'il y a trop de soleil. Et puis ça travaille bien. Donc on peut observer ici. Ici les abeilles sont dans l'arbre là. Il y a de la fleur, donc forcément ça les attire. Ça va apporter du nectar, enfin. Hein, parce qu'on se. Juste avant c'était la floraison des noisetiers, tout ça, et des saules-marceaux, les trucs comme ça, donc c'était plus du pollen. Et là ça va commencer à fleurir un peu partout, hein, les premières fleurs qui vont nous donner enfin du nectar pour les abeilles. Donc ça va monter en force à partir de maintenant, et en tout cas pour moi la saison se démarre pas trop mal. J'ai pas eu spécialement de pertes hivernales. Alors j'ai perdu juste une ruche, mais c'était une ruche en fin de saison, je vous avais dit, j'ai pas vu la reine. J'ai pas vu de reine, et puis je les ai laissées comme ça, et puis au final, il n'y avait vraiment pas de reine, et puis elle a perduré, donc je savais qu'elle allait pas tenir celle-là. Mais au-delà de ça, j'ai rien perdu de spécial, donc je suis assez content de mon hiver, malgré la saison qu'on a eue l'année dernière. Voilà. J'espère que pour vous, ça se passe bien. Les dernières vidéos, hein, la deuxième partie... pour la visite avant la visite de printemps, eh bien, elle a été mise, hein. N'hésitez pas à aller faire votre petit tour. Puis pour ceux qui viennent pour la première fois, d'aller voir la première vidéo de cette prévisite de printemps. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus et puis moi je vais continuer de bricoler. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Apitof.